On est en train de prendre le petit déj. Le problème, c'est que le boss, il parle pas super bien anglais. Il se démerde. Mais c'est un peu tendu. Du coup, il tape sur le message en anglais. Ah ouais. Et ça transmet direct. Attends. Et quand le téléphone ne suffit pas, j'y oui là. Lorsque je suis allé chez mon correspondant, regarde-moi ça. Sa mère faisait des haricots rouges. Bienvenue dans le Sandafi Michelin Wonderbike. On dirait que je vends du poisson. Je vous fais le tour du propriétaire. Ah oui, bike. Elle changera peut-être de kit déco au cours de l'année, on sait pas encore. La moto à Jordan 363, 363. La moto d'Alexis Lartus. Et juste au-dessus, qu'est-ce qu'on a, pardon mon ami, pardon. Putain, là, ça a censé être à Badou. Badou, là. On va avoir un petit versus avec Badou. Et ensuite, on a la moto à Mégane, qui roule pour la concession, Mégane Lombard. Qui roule en féminine. Envoie du gaz, Mégane. T'es pas censé faire du vélo, toi? Si, j'y vais, là. Allez, fous le camp. Zouf. Regardez qui c'est qui est là. You won the race, or now? Il me dit qu'il a gagné la course de vélo. Regardez qui on a comme voisin. On a les SR. Putain, il y a du monde de chambre. Monsieur Métis, Monsieur Wattel. Victoire, Monsieur Wattel, aujourd'hui. Demain. Ah, victoire aujourd'hui, ici. Ça va ou quoi? Bon, comme vous pouvez le voir, Jérôme, il est passé dans le stand, en fait. C'est celui qui s'occupe de nos suspensions cette année, HRS. Il est venu voir un petit peu, savoir comment ça allait se passer, comment les pilotes allaient sentir le sable. Vu que moi, j'ai refait des évos aussi sur ma moto, on a durci l'arrière, etc. Et puis là, il surtout va voir avec les top pilotes, savoir ce qu'il va falloir faire, s'il va falloir faire des modifs ou pas au cours du week-end. Donc voilà. On est en top, bordel de merde. Non. Mano à mano entre Collignon et Jordan Divan. Ah, le blanc. Allez, bordel. C'est mieux? I think the clutch was going, I think. Ah. Apparemment, il a utilisé trop l'embrayage. Il vient de dire l'embrayage, il est en train de se barrer. Bon, on va devoir le changer. Did you put the soft springs here? I will ask to Steve in order to know. I don't know, I'm checking. What did you think about the start of your teammate? Real good. Real good start. But no! Me! Hey, you. Yentani asked me! And you? Me, I thought I'd crash OTB, you know what I mean? Premier virage, je me couche. Tout va bien, je pars dernier. Je remonte des mecs après le premier virage. Première bosse, il y a un type, il tombe de mon bord. Bam! Je rentre dans sa roue arrière. Et puis au milieu de la manche, je me suis mis un OTB. Eh les gars, au ralenti, j'ai vu toute ma vie, ça a fait comme ça. Pam, au sol. J'ai eu le temps de me dire, non, ça, je vais pas tomber. Et si je suis tombé dedans? Je crois que je fais 105 et quelques dans ma manche, une connerie du genre. Du coup, Jordan, il fait dans les 10. Combien il fait, Jordan? 7. Jordan, il fait 7. Et Dartus, il faut aux alentours de la 15e place. Dartus, il doit faire un petit peu après 16. Donc voilà, on est très contents, les motos elles ont super bien marché, on avait de la traction. Là on a le monsieur de chez Michelin qui est là-bas, et là je peux vous dire que il y a une montée à un moment, j'étais enlisé. Si j'avais pas eu ce pneu là, j'y étais encore, c'est sûr. J'étais sur la 2 en sous-régime, je me suis dit ça va pas monter. Et ça montait, oh, impeccable. Donc aujourd'hui, enfin là où on est actuellement, on est dans le sous-sol de l'hôtel Neptune et en fait, c'est... Il veut se mettre sur la vidéo. On est dans le sous-sol de l'hôtel Neptune et c'est la réunion avec tous les pilotes qui sont supportés par Honda. Puisque Honda a mis en place un gros programme compétition et essaye de revenir sur le devant de la scène, ça fait déjà, il me semble, ça doit être la deuxième ou la troisième année. L'an dernier, c'était déjà en place. Voilà, donc il y a des nouveaux pilotes, il y a Yentel qui rentre justement chez Honda France via le team Dafi qu'on a monté avec Steve. Et puis après, il y a d'autres grands pilotes comme Jérémy Van Orbeck, etc. qui sont déjà chez SR. Je vous reprends tout à l'heure. Qui donc est responsable de la presse de son vrai métier, mais qui est également conseiller technique, cartographie et tout ce qu'on peut imaginer sur les motos. Et moi-même, donc, je suis responsable de la partie vente off-road.
Donc c'est moi qui vous fournis les machines, si on peut résumer ainsi. Et je voulais Steve, qui est ici aux couleurs de Daffy, mais ça va bientôt changer, de lui fournir des polos rouges. Donc avec trois pilotes, Jordan, Alexis et Yentel. Donc Yentel qui, pareil, commencera, fera pas les deux premières courses, mais qui nous rejoindra à partir de la troisième. Et Mister Jiwi, qui est pilote et également... C'est le plus rapide, hein. C'est sûr. Voilà, le plus rapide, blogueur, animateur, influenceur, tout ce qu'on peut... Le seul qui connaît pas sa taille. Ben, ça dépend. Ça dépend, c'est entre les deux. On va inventer un concept. Merci la maison de. Donc voilà, ça sera la fin de ce petit morceau dans la vidéo où on vous a montré un petit peu les secrets de ce qui se passe chez Honda et un grand merci à eux de nous soutenir au niveau du team. Maintenant, on va aller dormir et demain matin, ça sera The Race Day avec les finales. Premières impressions. Je me suis enterré, mec. Je me suis enterré dans je sais pas combien de bosses. Je me suis mis à 2 OTB. J'ai roulé n'importe comment. Je peux te dire que si je finis pas dernier, c'est bon. Les 500 CR ils sont où, boss? Les 500 CR, quand est-ce qu'on bosse dessus? Ah ouais, putain, moi aussi j'attends. Là je peux dire que quand je vois celle de Badou. Merci. Oh, une monster, merci jeune homme. Merci. Je la craque maintenant. Non, j'ai la manche après, faut être sérieux. Merci madame. On check. Attends, on check. Hop, bim. C'est quoi? C'est, je disais, c'est du travail à la chaîne. Et Yentel, il a la technique en fait. Lui, il empile les posters. Et il signe tout d'un coup. Ouais, le mec il a l'habitude de dessiner des trucs, tu vois, sur les dessins. Je vais faire une petite moustache. Tiens, je vais faire une petite moustache à Yentel. Allez hop. Merci. Ouais, cette année, on passe shot. On est très content de rouler avec eux. On a été très content de rouler avec First Racing. First Racing, société française. Shot, société française. Nickel. Let's go. J'y vais avec Badou. Tiens, regarde, Badou est déjà prêt. Vive la France. Vive la France, hein. Et moi, c'est Arai, société japonaise. Non, hey, ça va, il va pas faire sa pub dans ma vidéo quand même, hey, oh. Il est beau, oui. Oh, il est beau, hein. Je vais prêter à partir à la manche, mais heureusement il y a le ravito qui arrive. Regardez ce qui arrive. Merci l'ami. Des bonnes gamelles, fait mal. Des belles d'un autre monde. Non, j'ai pas fait mal, mais putain, je suis sec là. Je suis sec, j'ai soif. Je boirais 10 litres d'eau, une bonne bière, 4 cigarettes, oh, ouais, un mal, whisky. Ça. Enfin, bref, retour à la vie quoi. Mais non, le top 20, le top 20, le top 20, pour qui? Pour toi. Oh là là, hey, Badou, j'ai dit que j'allais te laver le cul, Badou.
Ah, je suis tombé, je l'ai vu me passer, putain. Ouais, par contre, top 20, le patron, là, je veux la prime. On n'a pas négocié les primes à l'arrivée. C'est derrière l'eau. Oh, c'est génial. Je me suis éclaté pendant cette manche. Je me suis tiré la bourre avec une KTM tout le long. Je sais pas qui c'était, on s'est tapé dans la main à la fin, c'était génial. Avec qui? Ma moto, c'était une balle. Je suis super content, ils me l'ont super bien réglé. Comme quoi, la Honda, elle tient, parce que je peux le dire, de toute façon, je vais le dire dans la vidéo, je fais 95 kg à l'heure actuelle et je suis sur un 254 temps, tout d'origine, juste avec une ligne. Donc pour ceux qui me disent qu'ils ont besoin d'absolument une 450, c'est faux. Allez, direction la tonnelle. Non, si, si. Vous m'avez chauffé tous les deux avant la manche. Alors au final, on a su le résultat, mais moi, j'y crois pas trop. Bon, finale bronze, bien sûr, je fais 16 en finale bronze. Il va falloir qu'on aille voir Meun, parce que du coup tu dois lui filer ta 500 et tu dois arrêter, fini, donne-moi ta licence. Ta licence. On va aller voir Nono à deux, on vous reprend après. Oui, qui dimanche fini, dit on a le droit à la Monster. La course elle est finie. Regardez un peu ce qu'on m'a amené. On m'a amené celle-ci, un port US. Tu te reconnaîtras. Faut craquer la canette, le responsable il est là. Mais le mec il a le bonnet, mais moi je l'ai pas le bonnet. Il va falloir que je demande. Monsieur Jaya de chez Monster France, comment ça se fait que j'ai pas ce bonnet là? J'aurais besoin de ce bonnet là s'il vous plaît, merci. Everyone. Le mec il veut une musique d'Eminem pour s'échauffer. Attention, attention, donc je vous laisse. On va mettre une petite musique. La manche. Sorte la moto Alexis. Toi Jordan. Et là quand tu vois ce patron, il est pas bien. Ça donne quoi de là-haut? C'est parti! Bon, ça part fort à l'extérieur. Nous, on a chien, ça part très fort à l'extérieur. Ouh! Oh, c'est chaud! Il y a une caté devant. Qui c'est qui va sortir? Il y a une caté, une caté. Nous, on a chien! Oh, c'est mon canis, je pense, c'est Watson. Van Robeck, il est trop. Alors, Ramon devant, pas pourri le vieux. Ensuite on a une KT, qui c'est ça? Je suis incapable de la reconnaître. William, ça c'est Mikko. Ça c'est du Montier. Du Montier. Ah. Est-ce qu'il arrive avec Camille? Faut que je désaxe visiblement pour Camille. Oh putain, il a parti, au même endroit, je sais pas ce qu'il voulait dire. Allez gamin, on remonte. Attends, je t'ai pas vu toi encore mes amis. Ah mon seigneur, merci. Ah Jordan. C'est Jordan. Il est un peu vite, toi, Jordan. Voilà. Voilà. Et là, je perds Arthus. Et lui, il va mieux à la fin de manche, connais vous. C'est pas compliqué, on va aller faire une heure et demie de long plage et puis on va l'amener ici sur les courses. Comme ça il sera chaud. Voilà. Devant Renault, Watson, putain on les attendait pas ces deux-là. Lui ouais, mais ces deux-là là. Bon allez maintenant on va regarder nos pilotes, ils sont combien tièmes? 30 et quel Jordan théoriquement? Avant 29. Hey, il est parti du fond, il a fait le job quand même. Mais là on va essayer de trouver Alexis, il est tous autour de la 90e place. Alexis 94. 94, bon allez, on va les accueillir au stand. C'est dur? Les ornières c'était terrible non? Regardez-les. Il est pas content, mais moi je trouve qu'il a bien roulé. Thank you.
Bon là ils sont en train de modifier le réglage de garde, enfin le réglage de, comment dire, de levier d'embrayage d'Alexis. Il le déplace un petit peu. Alexis à chaud il leur a dit qu'il était mal placé, qu'il préférait plus à gauche. Du coup ils vont le coller de ce côté là. Comme ça Alexis du bout de ses doigts en fait il pourra toucher vraiment cet endroit là, il aura le maximum de tension. Your coming back was really good, you know? Yeah. Because you was really in the last place at the first of, at the start of the race. And then the riders, one rider got for that? Yeah. Crazy. Je peux vous dire qu'il a fait le boulot parce qu'il est revenu de très loin. Il était dans les dernières places au début. Alexis, c'est pareil, il a réussi à remonter autour de la 30e place. Je pense que c'est Alexis là qui doit arriver. Bourdon. Bourdon qui arrive. Alexis, il n'est pas encore là. Jamy, il est en train de nous expliquer ce qui lui est arrivé pendant le premier tour. T'as fait comme Jiwi en fait. Comme qui? Comme Jiwi, comme moi. Ah oui. Over the bar. Il m'a que not a bee. Bon boss, c'est le plan de fin. Alors le plan de fin, comment dire? T'es content de tes pilotes? Content de mes pilotes. Jiwi, il a battu Badou. Ils se sont battus jusqu'au bout. Voilà. Et moi j'ai battu Badou. Ouais, je veux juste dire ça une dernière fois dans la vidéo. Faut que je trouve Nono parce que Badou il avait dit. Badou gagne dégoûté, il est là-bas. Badou est là-bas. Badou il est en dépression. Voilà. Donc boss, on remercie tous nos partenaires. On remercie tous nos partenaires. On vous verra de toute façon sur les autres courses. Il y aura plein de trucs à vous raconter, vous faire gagner, tout ça. On vous fait des bisous. Vous mettez des pouces bleus et on se revoit sous peu. Allez. Petite réunion des familles. Alors, à bah, d'après-manche. Tu me la donnes quand? Tu me la livres quand? La 500? Bah oui. Combien tu fais, Bat, du coup? Je sais pas. 68. Voilà, on a la réponse. 68. Et moi, je fais combien? 16. Allez, ladies and gentlemen! La grosse déculottée, bah. Par Jiwi, c'est la honte quand même! Ah ouais, ah ouais, non mais là! Tu vois, je peux te dire que le jeu, j'avais toujours dit le jour où je me fais battre par Jiwi, j'arrêterai. Je me suis dit, même à 90 ans, je ne vais pas me faire battre. Mais là, tu as réussi à te faire battre par Jiwi, 58 ans, ça y est, ta retraite est prise. Fini, Bat! Bah. Alors lui, il prend ta moto la première année, moi je la prends la deuxième, voilà. Et on fait un roulement. Je peux faire mécanique. Voilà, voilà, tu la referas à chaque mécanique. Fois. Oh, ça va aller. Eh, hey, ça y est, c'est fini. C'est fini, Bat. Tu dois prendre. Tu sais quoi, je suis tombé. Je l'ai vu me passer. Il dit, mais là, l'autre il va sous le casque, il va être comme un coucou. Comme un coucou. C'est évident. Et après, mais on je le ramasse. Fait des paris parce que t'étais quand même sûr de toi. Ah, il a ouvert grand sa bouche quand même. Vous l'avez pas vu, il m'a insulté. Il était là, je vais te laver le cul et tout. Machin, je dis ok. Ouais. Je suis allé voir Steve, je fais changement l'embrayage. L'autre il va rien comprendre. Ah ouais, là, tu t'es fait niquer quand même. Ouais, tu t'es fait niquer. Bon, alors, on va remettre les pendules à l'heure. Non, mais cette année, puisque je me suis fait le genou, c'est Jiwi qui fait la première année cette année au Vintage. Non, mais il a déjà une 500. 500. Il a déjà une 500. Ouais, mais bon, c'est pas la tienne quoi. Voilà, ouais, c'est la mienne. C'est toi qui as la plus. Faut l'avouer. Et comme il y a eu à Paris et tout. C'est comme ça, c'est... Bon mes amis, ça sera le plan de fin, c'était génial. L'ambiance dans le sable en fait, c'est ça. C'est une famille, c'est des mecs qui rigolent et des mecs qui chamaillent. Donc sur ce, je vous laisse. Badou il reprendra, je pense, sa revanche dans le Vintage. C'est un autre bonhomme au Vintage. Il vient pas à l'aune. Je sais pas s'il vient. Non, il vient pas à l'aune, il va s'entraîner secrètement chez Damien pour le Vintage. À l'aune, il fait pas à l'aune. Non, je ne vais pas à l'aune. C'est un filou. On peut pas prendre ta revanche. Non, on peut remettre ça à l'aune. Je serai là à Osgore. Ah, attention. Bon, avant le touquet, si tu finis par contre derrière lui, après, à Osgore, derrière lui, t'es obligé là. Osgore, non, le touquet Vintage. Ah non, 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 non. Ah, Badou, il veut tout, il veut la crémière, le beurre, l'argent, tout. Ah, oui, non. Il y a la revanche à Osgore, par contre, si tu fais relaver le cul par Jiwi à Osgore, oui, là, t'es obligé de lui prêter ta photo pour le touquet Vintage. Oui. Là, y a pas... C'est entendu, c'est entendu. Je l'ai noté, je l'ai en vidéo, les followers vont le voir. Deuxième, donc ça va. Voilà, ça, il vient de le dire discretos, hop, je suis en train de me faire une deuxième 500. Bon, allez, cette fois-ci, il faut vraiment couper. Un grand merci à vous, les tontons. Mettez des pouces bleus, des likes, et puis on se voit sous peu à Longue Plage.